et pandémie COVID-19, là, on rappelle, qui continue à faire parler de lui parce qu'on a parlé de, et on sait le variant qui parfois, il y a plus danger de la battre, fait commencer parce que il y a des gens même qui prennent vaccin et que, qui est variant attaqué et eux même ils tournent en victime. Une victime, je dis. Donc, d'après ça qui dit, en principe, nous rappelons que le président Biden était pour engagement pour, c'est pour 70% américains étaient vaccinés avant 4 juillet. Ça, il n'est pas arrivé à réaliser. Et jusqu'à jeudi à là, c'est seulement 57%. Je dis seulement, mais là, plus quand même. C'est 57% américains qui vaccinés, y compris moi-même. Avec Messique en face moi là que nous parlons là il y a les Jacqueline et des Messique d'aime dans là tout parce que si nous va pas il y a mettre pression sur nous le gouvernement mettait pression dit tout employé fédéral faut nous tout pas vaccin pour nous alors semaine à marcher en caillé là pour une faire appel puis moi des internet sur vaccin internet pour vaccin donc gouvernement fédéral là gagne encore nous connaît vraiment des entreprises tout pour eux même tout pour marquer le point emboîter le pas pour que employé tout prend vaccin. Alors, rappelez que vaccin est gratis, donc. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, chaque monde a une raison pour ça, que je vais prendre vaccin. Chaque monde a une raison. Et bon, il y a des gens, c'est parce que tant de monde dit ça, dit, mais je ne vais pas prendre vaccin. Il y a des gens qui disent, en tout cas, vaccin, il y a des gens qui peuvent connaître un vaccin, mon entourage est bête. Bon, même beaucoup, j'aime beaucoup, mon ça, tu es pour un vaccin, tu es bête. Il y a des gens qui disent ça, je prends un vaccin, je vais attendre ça qui va arriver. Bon, en attendant, ça qui arrive à ce que vous avez vacciné, le fait qu'on n'a pas vacciné, ça va vous dire que vous êtes 100% immunisé contre le virus. Parce que l'autre variant qui est venu, l'autre variant qui est apparu. Et la dernière déclaration qui fait sur question ça, c'est le docteur Anthony Fauci qui semble avoir dit nous là dans le net. Ça veut dire que le vaccin et la pandémie là pour le rété. Donc ça veut dire que tout le monde est résilié, nous. Dormir avec les lever avec lui, continuer pour adapter nos avec parce que nous là dans c'était dernière déclaration puis nous comprenons qu'elle va disparaître. Non, c'est ça que c'était dernière nouvelle qui était faire mon lever réfléchir l'autre gens encore qu'on y a là sur ça. Alors nous parler en un pays d'Haïti. Oh, qu'un tour avant aller en Haïti et président Biden il a licencié à fond une réduction sur plan ligain pour les sous dépenses sur un plan dépenses infrastructurelles gagné et mais il a fait une réduction là-dedans pour capable accommoder propre et démocrate sénateur ou bien député pour capable passer voter et projet de loi ça pour lui parce que il semblait que les coûtait trop. Donc, il y a un contrat avec ça qui est modéré, le contrat avec ça contingent beaucoup plus conciliant. Et finalement, il y a capable de nous entendre pour le réduire sur ces dépenses pour être capable de voter et pas voter loi ça. Et qui c'est peut-être le deuxième plus gros projet que le président Biden est censé gagner et dans le calendrier, dans l'agenda. En Haïti, alors je dis à Port-au-Prince, il y a une ébullition, il y a des ordres tués partout. Et côté, il y a une barricade, il y a monsieur motocyclette, un taxi moto, il y a même tué mauvais dans la l'arrière là, parce qu'il a demandé pour une machine de gaz. Alors, station de gasoline, il y a 20 gasoline, donc monsieur, il y a un mauvais là, donc il y a des ordres un petit peu par-ci par-là, mais c'est bah, que la police part pour faire déclaration, mais les nouvelles rapportent qu'il y a une zone qui, même temps, ça censé même inaccessible, donc son aéroport par exemple. Donc c'est quoi la situation. Et alors, dans le même moment, tout que mes syndicats, chauffeurs, transporteurs, produits pétroliers, ils ont même eu quand on s'est grève par eux. Lundi passé, c'était chauffeur et transport. On a parlé chauffeur transporté, ils ont fait grève par eux. Et même qu'on a chauffeur qui a transporté pour du pétrole, même qu'on a eu campé. Je dis, à partir de jeudi, je dis, mais eu campé. Parce que même, je dis, c'est pigot victime. Insécurité, kidnapping qui a fait,
les sous prend gaz là et yo dit quelque soit côté a ou gen qui dit qu'on était sous carrefour seulement mais les sous prend gaz là va ou bien sous prend sous trois là et bien nega me météo les mains prend machine en main ou bien faire conduire machine en côté avec et bien personne pas contre qui gens yo vend gaz avant. Et puis qu'on y a monsieur négocier avec mettre machine là qu'on y a pour machine payer un cob pour qu'il vienne prendre machine. Donc yo dit même qu'on y a yo campé en attendant gagne une réponse. Problème de sécurité gagne et secteur démocratique et populaire nous rappelons secteur démocratique et populaire non premier temps qui était peut-être un secteur qui vraiment opposé avec l'administration Moïse là et bien bon et ça te super rapide monde les tout dernièrement là et secteur démocratique populaire qui importe parole et met André Michel et gagne sénateur Eni Plan et puis gagne tout sénateur un ancien sénateur Nenel Kassi qui s'est Jacques Mélenchon tout qui c'est peut-être fait de l'ange gagne Majorie Michel tout et ben il est allé aussi un accord et 11 septembre non que c'est accord primature accord et premier ministre et bien monsieur hier ils font sorti avec fracas pour bail et gouvernement ou bien premier ministre là un ultimatum et pour commencement en novembre non s'il va tromper le 1er novembre il dit s'il pas appliqué accord ça il y a deux points qui est important pour eux dans accord ça on pour appliquer s'il pas appliqué et bien eux-mêmes il y a baldo un révoqué à la tête de PNH là donc directeur président national directeur et président national là Léon Charles et puis mettez sous former gouvernement consensus sur le gouvernement d'union nationale n'importe qui en veut là former gouvernement c'est deux gain deux points qui est en exécuté là-dedans d'abord et gouvernement de avoir premier ministre justice là aller déjà et puis il a évoqué CEPA qu'on y a demandé pour le bal de là qu'on a sinon s'il pas fait ça et bien il y a badol et il y a ba gouvernement d'eau il y a ba président d'eau et c'est premier monde qui va prendre la ria avec la banane dans main pour et pour dire non il dit même et accord ça ou bien accord on sait dans c'est pas accord qui il est pas accord Ariel Henry c'est accord peuple là c'est accord peuple là parce qu'il gagne bail là dans c'était réseau qui fait signer parce qu'il gagne bail revendication peuple là etc. Bon on t'a des majorité Michel tous les mêmes qui défendent accord qui dit les mêmes yo pas yo qui peut même présenter monde qui fait partie monde qui fait partie SDPA monde toujours demander qui est-ce qui dans SDPA après c'est même premier ministre tout monde qui a demandé ou dit les 500 combien organisation politique et parti politique accord il m'a dit qui est-ce que et c'est même pas tout pour accord Montana tout et qui dit même société civile là tout qui est-ce qui est exactement et l'autre dit que 700 organisation et même société civile avec qui monde qui est-ce que exactement et gen l'autre accord gon l'autre accord qui non coin que yo parler de li légèrement mais qui la tout c'est lui même t'a pas fait quatrième accord et gen un cinquième accord tout et qui t'a parlé mais accord ça pas fait trop bruit gen deux accords qui pas fait bruit alors gen trois accords qui dans sans débat c'est accord d'abord PEN c'est by et résolution Sénat tiers Sénat te prend et gen accord Montana et puis gen accord et en septembre que premier ministre a déjà publié dans le journal Le Moniteur que peut-être nous a dit c'est seul accord qui officiel parce qu'il est publié dans le journal Le Moniteur mais dans visite autorité américaine était fait ou bien émissaire américain était fait deux émissaires américains étaient en Haïti dernièrement il était suggéré ou était encouragé monde qui fait partie accord ça ou bien monde qui a et géré accord ça ben était demandé pour te fond accord yo prend mélanger prend tout ça qui unit mettre au fond seul et puis faire fond seul accord et mais objectif final là c'est les élections en fait c'est une et cheval de bataille que les États-Unis ont mis devant pour lui parler de il faut que les élections il faut élection inclusive élection libre mais tout premier ministre Henri tout non pétré tout parce que là les gagner par exemple conseil électoral provisoire que le pour capable mettre sous pied malgré que le voyait l'aide by et parti qui concerne qui gagne qui figure dans la constitution pour faire partie conseil électoral provisoire
et gen kek la dan yo, très peu qui accepté pour faire partie du conseil électoral provisoire, gen même qui est en désiré moun pa yo déjà. Gen l'autre qui dit non pas un problème pour nous faire partie du conseil électoral provisoire avec une condition qu'on résout problème sécurité etc. Et gen l'autre qui dit tout de qui élection a parlé puisque condition vraiment pas réuni pour qu'on gagne l'élection parce que si on pas mener campagne ou bien on candidat pas mener campagne donc c'est deux zones même s'il y a parlé actuellement de zones métropolitaines pour le principe par exemple et qui est-ce qui est capable par exemple aller dans zone quoi des bouquets qui c'est base et groupe les 400 maos zone après qui gagne un groupe américain dans main un groupe otage près de 17 monde 16 américains avec un canadien plus haïtien l'autre haïtien qui est kidnappé déjà. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont mené la campagne? Il y a des gens qui disent tout, est-ce qu'on va mener la campagne tout? Non. Troisième circonscription, contre ça, on a parlé de zone matissant pour monter. Donc, c'est toute question, question qu'on a posée qui fait grand secteur qui dit que conditions pour qu'on soit capable de réunir pour participer à l'élection. Mon connaît, il y a d'autres gens qui disent que, alors, il y a des gens qui disent oui, mais dans le pays, il y a des gens la guerre, toujours une élection. Donc, ça peut, et nous pas dans la guerre pour que ça ne pas qu'il y ait élection en Haïti. Donc, on attend pour nous. Et non, l'autre qui est censé être dominé l'actualité, nous disons que c'est le groupe qui est le CAD. CAD, c'est une organisation de droits humains et qui publie un rapport et qui paye à date, parce que depuis, alors, il dit que pour année ça seulement, il y a un record dans ces monde qui est kidnappé et chiffre, il cite 782 cas de kidnapping. Qui représentait un record comparé à 2020, à toute année 2021, les satellites seulement 796 pour toute année 2020, qu'on y a nous en octobre. Déjà, il y a 782 cas. Et du 1er janvier au 16 octobre, quand c'est cas de kidnapping, alors ils font différence, ils montrent qu'il y a un cas de kidnapping collectif, tout comme tout, il y a un cas de kidnapping et individuel. Donc, et puis il y a tout la République dominicaine qui, ensemble avec la République dominicaine, Costa Rica, Panama, leader, président pays Sayo, ils ont été réunis dans Panama City hier, à côté que ils ont lancé un appel aux États-Unis pour décoller, pour supporter Haïti et aider une solution pour le problème Haïti, pour discuter des questions qui sont pour avec son migration. Quand ces immigrants qui sont dans la zone Amérique du Sud, Chili, Brésil, par exemple, qui utilisent région ou qui utilisent territoire comme point de transit pour mettre tête en Amérique du Nord, ça veut dire pour venir aux États-Unis. Je dis aux mêmes immigrants, t'es déjà fait connaître, eux même ils ne pas venir t'es la caillou, c'est passé à passer. Donc, mais États-Unis même l'a demandé pour qu'embêter les immigrants, plutôt empêcher les immigrants de venir en Amérique du Nord. Donc c'est par exemple immigrants qui viennent au Mexique par exemple, c'est là qu'on y a yo rete là et a préparé pour avancer pour continuer voyage à Cap Mineo traverser dans zone Tijuana et zone Tijuana et au pays par exemple dans zone et frontière que États-Unis partagent avec Mexique, dans zone San Diego toute zone ça la net pour et des Rio pour tout pour jusqu'à ce que traverser rentrer aux États-Unis. Mais États-Unis a demandé pays ça pour aucun bien. C'est comme ça par exemple que secrétaire d'État américain et Anthony Blinken qui ont tourné et tourner même si sont tourné qui gagne pouvoir avec pour renforcer la démocratie dans la région par exemple il gagne encore pour faire avec Colombie, Équateur, l'autre leader mais il y a un sujet que l'a gagne par exemple elle rencontre il a fait des rencontres avec le président colombien Iván Duque et il y a un sujet que il parle avec c'est surtout et question migration donc quand que Colombie gagne un petit îlet et Colombie gagne un petit ville qui est Necoclí qui lui-même c'est côté immigrants réunis pour prendre bateau qui traversait et qui mettait au l'autre village et village ça c'est village de Panama parce que Panama avec Colombie il y a une entente que tu fait déjà sous question ça peut te permettre immune passe immigrant traverser la caillou notre là pour traverser forêt d'Ariane pour aller côté aller donc tu es d'accord mais c'était un petit mouvement déplacé de trois monde
Mais avec moi passé à remarquer que je viens dépassé par les événements, tellement de monde qui a débarqué, pas même de place, pas même de assez place dans le bateau pour prendre le bateau qui a transité pour mener l'autre. Ticket est fini, d'ailleurs, depuis le mois de septembre, on campé. Et le mois d'octobre, tout ticket pour le mois d'octobre pour prendre un bateau mouche qui pour mener l'autre travers sur le bois, mais tout ticket ça a été fini de vendre. Pas de façon, pas de place encore. Et donc, discussion ça, licencié. Dans le cadre de discussion secrète de l'État américain avec le président et colombien Iván Duque. Et nous rappelons que dernièrement, il était parlé, Iván Duque était dans New York, il était abordé ces questions-là. Elle était parlé de immigrants, il n'y a pas de problème avec immigrants parce que immigrants ont déjà dit, c'est passé à passer, et c'est transit à faire pour aller. Et immigrants, tout à Babier, tout le même, dit que chaque côté arrivé, il faut que vous continuez à voyager. Donc, il faut que vous facilitez. Donc, Mexique, qu'on y a, c'est dans d'autres que l'eau, le poids tomber qu'on y a, parce que tout immigrant qui vient réussir à faire voyage, ça, finalement, c'est fort à faire tout le reste là. Mais là, vous traversez Guatemala, et bien, vous entrez directement au Mexique dans l'état de Chiapas. Chiapas, vous tombez dans Tapachula. Et là, vous arrivez là, qu'on y a, vous arrivez là, l'autorité mexicaine vous dit, vous campez là, Fontaine. Et bien, laisse à côté, vous faites vous-même, ça vous fait, c'est, vous demandez asile, vous demandez un asile. Parce que l'asile là permet que vous êtes dans le pays. Donc, il y a deux choix que l'autorité mexicaine a fait. Ça que vous faites déjà, il y a des gens qui ont refoulé, retourné au Guatemala. Il y a des gens qui ont un petit groupe très, très restreint, qui ont déporté en Haïti. Et il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui ont permis pour être, mais quand tu es à tout, il y a des gens qui ont fait un papier. Donc, il y a des gens qui ont babillé toujours sous son immigrant. Ça. Puis devant, l'on avance plus vers le nord, où vient tomber exactement. Non, Huawei, là, c'est l'autre État qui sous frontière États-Unis partagé avec Texas, par exemple, et c'est là une municipalité qui est Acuña, côté que une petite communauté, ou bien un groupe réfugié haïtien qui était pris en réfugié en bas front, en bas pont international de Rio, et un groupe haïtien ça y les border patrol et ou bien garde frontalière États-Unis étaient commencé à prendre monde soit pour faire entrer ou bien pour déporter eux, mais il y a quelques haïtiens qui ont décidé, plus d'une centaine qui ont décidé de tourner. Et ils ont fait bac, ils ont retourné au Mexique, et il y a le temps, et c'est comme ça, Mounsa, ils ont pris refuge actuellement, ils ont réfugié dans. Et à Kounia, côté Aptan, Soyo, côté Aptan que l'immigration mexicaine prononcée, ben, on prend une décision finale, est-ce qu'il y a bail au refuge, ou bien est-ce qu'il y a permis d'aller de l'autre côté, ou. Est-ce qu'il y a des possibilités pour continuer le voyage là? Ça que pour qu'on y a, il y a eu seulement à attendre, mais il y a un autre qui était dans le jour qui va se faire le chapitre pour lui, qui passait sur la frontière et qui allait. Il y a un autre qui était là, à Kounia, qui était chapé, qui allait et qui a été par l'autorité américaine. Il y a eu des déportés en Haïti et il y a eu qui était rentré. Donc c'est une question de chance. Et quantité d'avions que tu as pris en Haïti pour mener un réfugié en Haïti, quantité ça, les diminuer. Et les dernières nouvelles font qu'on est que les États-Unis déportés, et dans tout mouvement, activité de déportation que les États-Unis font, il y a près de 500 étrangers qui ne sont pas haïtiens, mais c'est petit haïtien que les États-Unis déportés. C'est à eux, c'est Timoun. Timoun qui fait au Chili, par exemple, que maman yo, ou bien papa yo, ou bien les deux, c'est haïtien. Mais il était trouvé, il était dans le voyage là, et bien, il était comme accompagné avec parents, et bien, les États-Unis ont déporté, il a déporté tout le monde ensemble, donc tout le paquet est déjà, tout le paquet en est allé, donc étant ça allé, donc tout le monde sait, c'est eux-mêmes qui vivent actuellement, ils sont en Haïti et Chili, ils ont gagné un programme dernièrement, ils ont annoncé tout le monde qui est citoyen chilien, au capable de retourner, et retourner au Chili. Et c'est comme ça qu'il y a quelques haïtiens qui sont en tournée au Chili. Et nous avons un reportage que la Voix d'Amérique est nous avec un journaliste Caniglia, oui? Caniglia. Il a rapporté nous, il a fait un témoignage et dans le voyage qui retournait. Et l'autre monde qui part dans le voyage là, mais qui était là et qui était salué, initiative et gouvernement et Chilien. En parlant de gouvernement chilien, on a dit que le gouvernement chilien, tout entre temps pour haïtiens qui l'a eu, ou bien immigrants qui l'a eu, même si grand-père l'a dans les haïtiens, mais il y a un délai
un délai pour te régulariser statut. Ça veut dire que monde que immigration par exemple car renouveler statut pour plusieurs raisons, il manque de documents, il y a pas un document, il manque pour bail preuve que yo habité dans un caï. Ça veut dire que preuve de résidence avec yo habité dans un caï. Et même pas la libre ici. Bon ici a gain débat à faire monde pour bail preuve, pas un boîte postale non pour bail preuve qu'ou non caï, qu'ou louer un caï non sous caï là, et pas pour de caï voisin. Tu fais la descente car mon nom a bon chance mon nom bon papier lié quoi qu'on habite la Cali mais au moment de mon salaire gagne là de pas papier ça et gagne mon nom de toi c'est ça son bancaire bon gagne au pas gagne ça son bancaire là donc ça deux conditions ça yo l'opari nio gagne plus de chance que immigration chilienne pas bas permis de séjour pour être donc mon salaire en limbo tout yo là et immédiatement immigration faut qu'on ait le bon 15 jours pour quitter pays 15 jours, soit tourner la carrière ou bien allons l'autre côté. Donc, il y a des gens qui, bon, ok, il n'y a pas aucun côté pour aller, il est là toujours, il est là illégal. Donc, c'est le jour que l'autorité met mes souliers, donc c'est autour sujet à déportation. Et délai ça que l'autorité chinoise était là, c'était le 17 octobre. Délai a passé, donc tout le monde qui pas régularisé statut, parce qu'il y a d'autres conditions de mandat, il demande par exemple, il faut qu'on casier judiciaire. Et casier judiciaire, ça que qu'on doit joindre. Et qu'est-ce qui est pour Baoul? DCPJ en Haïti pour Baoul. Donc, il faut que les gens pour vous. Pour pas qu'il y ait de temps, il y a des gens consulat ou bien l'ambassade à déposer des documents pour jouer un papier ou pas qu'à jouer. Donc, tout ça a contribué non pas qu'à retard qui cause que les gens rencontrent un peu de problème. Donc, ces situations, ça a nous gagné depuis Chili. Même les gens qui sont dans le Brésil ont le même problème. Ça tout. Bah, yo babi tout. Contre l'autorité autour, ils disent qu'ils pas. Qui pas aidé yo, qui pas bar assistance que yo besoin. Et nous apprenons tout dernièrement là, nous fait qu'apprendre tout que gagné et consulat Haïti dans Orlando, qui censé un programme que mettait sous pied pour assister Haïtiens qui étaient rentrés aux États-Unis dernièrement là, qui étaient rentrés soit par mesure administration américaine te prend, et bien il a permis que Haïtiens ça joigne document et document pour capable et régler les affaires. Alors, faut qu'on connaisse tout. Ou, si je ne peux pas dire que c'est haïtien, diplomate là, le cagade, il dit ok, mais qui preuve que je suis capable pour me dire, pour convaincre que je suis haïtien? Est-ce que c'est parce que je parle créole? Il dit que ça n'a pas suffi. Donc, c'est ça fait que des gens haïtiens, papa, ils disent oui, mais nous avons des conditions, tout. C'est pas que le monde vient de côté, nous lui disons que c'est haïtien, puis nous parlons un document, et puis nous n'avons aucun preuve qui dit nous que c'est haïtien. Donc, c'est comme ça. Si en fait, si nous avons un passeport haïtien dans la main, ok, mais il y a des gens qui viennent avec des mains de pied, qui parlent un baptiste, qui parlent même un baptiste, donc il n'y a pas suffi pour identifier parce que le baptiste n'a pas une photo, il n'y a pas une maladie, il n'y a pas une information là-dedans. Ça dit que le document, le papier sort dans mon nom, c'est pour oublier. Donc, c'est tout le problème, ça fait que l'autorité te met devant, qui fait toujours prudent, avant de mettre le document pour identifier au monde en tant que tel. Et puis, dans l'autre, Et une des idées que le président dominicain, en fait, pas seulement dominicain, Luis Abinader, c'est le président dominicain, le président costaricain, qui est Carlos Alvarado, le président panaméen, Laurentino Cortizo, et bien, il y en a l'autre demandement des États-Unis. Les États-Unis, vu position, pouvoir politique, économique et militaire qu'on gagne, ou peut-être mieux placé pour aider Haïti dans le moment ça, pour le traverser. Et moment difficile ça soumettre avec nous nous capable rendre et situation possible mais je pose un autre bail dit que il faut que pays ali pacifié il faut que désarmer et négamer des font faire ça pour que capable gagner élection dans pays donc monsieur mettez un série de balises devant États-Unis tout pour lui même tout pour capable aider les États-Unis gagner les moyens possibles pour faire à cause de tout ça me dit que ce soit pouvoir économique politique et militaire États-Unis capable faire mais il dit faut qu'on travaille avec nous formons alliance c'est vrai et c'est très probablement son sujet parle encore dans discussion encore et d'après ça toi leader ça veut dire au grand peut-être dans compte qui va faire sur environnement en Écosse en Glasgow
eh bien, laisse à président Biden à dans zone nan, lié pour rencontrer avec leader, trois leaders de Paloyo, Costa Rica, Panama avec République Dominicaine, et très certainement sujet immigration Haïti, il n'y a pas abordé quand même avec le président Joe Biden. Et puis, voilà. Tada, c'est ça, On t'y soit, on va nous aller. L'équipe nous va ici à DC United à Malmène là dans le championnat dans le football ballon américain. Hier soir, M. Taki, l'équipe New England Revolution, donc Boston, New York.